petit peu, donc je me suis dit, Bryce de Niles, reparodier ce personnage, c'était déjà un gilet jaune avant-gardiste à son époque en 2004, puisqu'il est sorti en 2004. Et je trouve que ça colle très bien avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Et plus jeune que lui comme personnage, il n'y a pas. Donc mais bon, j'ai quand même une petite phrase quand même, parce qu'on parle souvent des casseurs. Alors je tiens quand même à dire que le roi de la casse, c'est quand même moi. Donc arrêtez de toujours criminaliser les Black Blocs et les flics et tout ça. C'est moi le roi de la casse. Alors la prochaine fois, venez me voir, je vous montrerai. Ça marche. Quelles sont vos revendications, Rick Dupic? Ben, comme son nom l'indique, le Rick déjà. Et ben, c'est surtout... Parce qu'il regroupe toutes les revendications, c'est surtout de remettre de l'humain et de remettre le respect du vivant dans toutes les orientations et choix et décisions qui sont prises politiquement. Parce qu'on ne peut pas continuer sur cette pente-là. Et c'est pour ça que je vais m'entraîner tout à l'heure à surfer sur la plage, parce que je sais que dans 10 ans, cette plage elle n'existera plus avec la montée des océans. Donc dans 10 ans, je pourrai surfer à cet endroit même, c'est simple. Donc ouais, c'est surtout... Remettre surtout de l'humanité, arrêter de penser comptable. Parce que d'accord. La comptabilité, ça sert à rien. Ouais. Tu vois que... Vous avez écrit « Je suis le roi de la casse, inutile de casser les services publics ouais. ». Ça, c'était votre message. Ouais, ça fait partie des messages, ouais. Parce que on paye de plus en plus d'impôts et on enlève de plus en plus de services publics. Donc j'aimerais bien savoir à quoi servent déjà nos impôts, si ce n'est que juste à pouvoir payer ces gens-là qui ne nous servent à rien d'une certaine manière. Et ouais, et le service public c'est très important, l'éducation nationale c'est très important parce que le savoir c'est quelque chose qui doit se transmettre. Parce que si on ne transmet pas le savoir, on sera encore des hommes de Cro-Magnon à l'heure actuelle. Donc le savoir doit être accessible à tous et il ne doit pas être monnayé comme on essaie de le monnayer à l'heure actuelle. Quoi. Donc ouais, il faut préserver les services publics et que ce soit de tout ordre. De tout ordre. Là on passe toujours par des services d'appel qui sont devenus payants pour accéder à la CAF, à la Sécu et ce genre de choses, et c'est pas normal. C'est pas normal, c'est un service public pour qu'on doit déjà payer alors qu'on paye déjà dans nos cotisations. Donc non, il y a beaucoup de choses qui ne tournent plus. Quoi. Donc, tout simplement. Merci.